Y bueno, le pregunté de dónde era y me dijo que era americano. ¿Americano? ¿Pero de dónde? ¿De qué Pues parte de América? de Estados Unidos, por supuesto. Pero Americano. no, tiene que tener, pero todos somos americanos. ¿Qué quiere decir? No entiendo. Cada uno tiene una propia nacionalidad, pero estamos en un mismo continente, así es que todos somos americanos. Ah. ¿Sabes qué, Pierre? Deberías hacer un video sobre eso. Creo que sí, tienes razón. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Bref, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir pourquoi il ne faut pas que tu dises americano pour désigner les Américains, les gens, on va dire, des États-Unis en espagnol. On va voir pourquoi donc tu ne dois pas dire ça. Et je pense que tu imagines que c'est un petit peu bizarre quand même d'ailleurs de dire américain même en français. En effet, quand on dit les Américains, on devrait parler des gens qui habitent en Amérique. Or, c'est pas le cas, ça va désigner tout le temps ou très souvent les gens qui viennent des États-Unis. Donc, on va voir que en espagnol, ça se fait pas du tout au contraire. Et d'ailleurs, c'est un peu bizarre parce que ça voudrait dire qu'on nie même l'existence d'autres gens des Amériques, des autres pays d'Amérique, que ce soit l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, le Mexique, le Canada, bref, tous ces pays qui sont aussi américains. Donc, dans cette petite vidéo, je vais te dire comment on dit, comment on appelle les gens des États-Unis. Donc, ce sera pas americano. Et reste aussi bien jusqu'à la fin parce que je vais te dire comment appellent réellement en général les Latinos, tous les pays hispanophones, comment ils appellent en général réellement les gens des États-Unis, ce qu'on appelle les Américains, nous, en France. Tu verras que c'est assez particulier. Ahora mismo. En español, en vez de decir americano, americano, tienes que decir estadounidense. Estadounidense. ¿Y tú de dónde eres? Ah, yo soy americano. Ah, sí, ¿de qué país? De Estados Unidos. ¿De qué otro país sería? Donc, le mot estadounidense, ça désigne les Américains en espagnol et ça vient tout simplement du nom du pays en espagnol qui est Estados Unidos. Et donc là, on va mettre tout attaché Estados Unidos et on va rajouter unidense, ce petit nc à la fin qui veut dire donc états-unien si on devait le traduire en français. Donc, estadounidense, todo junto, tout attaché. Donc, estadounidense. Cette terminaison en NCE, ENSE. Fatigué, FATIGUI. Fatiguio. C'est une terminaison pour parler d'une nationalité qu'on retrouve aussi pour d'autres pays. Par exemple, pour les Canadiens, on va dire Ivan es de Canadá. Ivan es de Canadá, es canadiense, canadiense. Donc ça finit en yense, canadiense. Bon, je dépose. Una pausa sense final. Ou encore par exemple avec les gens du Costa Rica. Par exemple, Yeri es de Costa Rica, Yeri es costarricense. Yeri es costarricense. Donc voilà quelques exemples d'autres nationalités qui ont le même genre de terminaison. Et le hola amigo, on le voit là comme ça ou pas? Très très bien. Bon, à présent tu sais dire américain, états-unien, et donc tu vas pas dire americano mais estadounidense. Tu sais dire aussi États-Unis, Estados Unidos. Une dernière chose que je voulais t'apprendre, c'était par rapport aux sigles en espagnol. Quand on dit les États-Unis, Estados Unidos, tu peux utiliser le sigle EU, États-Unis. Sauf que en espagnol, chose assez bizarre. En fait, on va doubler les lettres des sigles. Donc, au lieu de dire EU pour dire Estados Unidos, on va dire EEUU. C'est un peu bizarre. Donc, pour dire en abrégé États-Unis en espagnol, tu vas dire EEUU. Au moins, tu le sauras. Alors, attention, avant de terminer cette vidéo, on va passer à l'exercice pratique. Un pequeño ejercicio práctico. Donc, pour que tu puisses bien maîtriser cette nationalité, comment dire américain, et même d'ailleurs toutes les autres nationalités, je vais te donner une petite phrase et je t'inviterai à la traduire en espagnol dans les commentaires. La phrase est la suivante. Je suis américain, ma mère est canadienne, mon père est costaricien
et ma petite amie est nicaraguayenne. Je suis américain, ma mère est canadienne, mon père est costaricien et ma petite amie est nicaraguayenne. Donc, je t'invite à écrire cette phrase cette fois-ci en espagnol dans les commentaires de la vidéo, ça te fera un petit exercice pratique. Un indice pour nicaraguayen, on n'en a pas parlé dans la vidéo, mais c'est le même principe, ça finit en ence. Donc voilà, je te laisse essayer de deviner cette nationalité-ci. Y bueno, esto por hoy, esto lo que te quería decir, tío. C'est tout ce que je voulais te dire pour aujourd'hui. La dernière chose, comme promis, c'est comment appellent généralement les latino-américains les gens qui viennent des États-Unis. Donc en fait, souvent ils disent, surtout pour les Américains qui viennent visiter l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale ou encore le Mexique, ils vont les appeler les gringos. Gringo, c'est le terme qu'on utilise généralement pour appeler les Américains. Attention, c'est un petit peu péjoratif. C'est voilà, c'est un peu les Américains touristes, les Américains qui se croient un petit peu tout permis, qui parlent qu'anglais quand ils viennent voyager en Amérique du Sud, en Amérique centrale ou encore au Mexique. Gringo para mí es una persona de Estados Unidos y ya pues característica, ¿no? Porque pues un gringo puede ser mono, como puede ser negro o blanco, entonces no, pues para mí simplemente alguien de Estados Unidos. D'ailleurs, si tu as suivi la vidéo jusqu'au bout, je t'invite à mettre un petit hey gringo, comme ça on verra qui est vraiment allé jusqu'au bout de la vidéo. Donc, si tu as appris des choses, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas tout simplement à mettre un me gusta. Dale un me gusta, donc à mettre un petit j'aime à la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu veux recevoir toutes les autres vidéos qui vont t'aider soit à apprendre l'espagnol, soit à en savoir un petit peu plus sur l'Amérique latine ou l'Espagne. Et très important, n'oublie pas de traduire ta petite phrase, ton petit exercice pratique dans les commentaires. La correction, au fait, sera dans la description, donc tu pourras quand même te corriger. Nos vemos pronto, amigo. Hasta luego. Et pour arriver. Je vais pas retenir la phrase. Je suis américain, ma mère est canadienne, mon père est costaricien, ma petite amie est nicaraguayenne. Ok. Donc la phrase est la suivante. Je suis américain, mon père est canadien. Je saurais jamais, déjà c'était ma mère. Mon père. Je suis américain,